Oui, jalousie. Jalousie. Jalousie, Lacan dira, je convoite ce que je crois que l'autre possède, mais qu'il ne possède pas. C'est une des formules de la jalousie. Une autre forme de jalousie, je suis jalouse de ce que l'autre fait et que je sais que je peux faire, mais que je ne fais pas. Deuxième forme de jalousie. Le surdoué ne rentre pas là-dedans. Il sait très bien que vous ne possédez pas ce qu'il croyait pas du tout que vous possédiez. Ce qui s'appelle la puissance, mais bon, c'est une grande théorie que je ne vais pas développer maintenant. Venez suivre les cours ou les week-ends, je vous expliquerai. Donc, toutes les théories, machin et tout. Mais bon, voilà, pour l'instant, on parle de la jalousie. Mais bien évidemment qu'on est jaloux du surdoué. Mais comment est-ce que ça serait possible d'en être autrement ? Je me suis demandé, et vous êtes nombreuses, en tout cas les femmes, à avoir remarqué, les hommes c'est un peu plus discret, parce que, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un homme surdoué et une femme surdouée. Mais on est un peu pareil, j'ai parlé d'androgénéité psychologique évidemment, et le côté paternaliste de la femme surdouée fait que voilà. Mais alors pourquoi on nous fait tout le temps la gueule ? Pourquoi on nous en veut tout le temps ? Mais pendant des années, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais j'ai rien. Et tout le monde, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Et un jour, j'ai découvert les surdoués. Et un jour, j'ai commencé à comprendre. Et un jour, j'ai compris que ce qui énerve beaucoup dans les vidéos, mais c'est vrai, quoi. Quand il y a un papillon qui passe, oh, oh, c'est joli, j'ai pas été la seule. Hein, avoir cette sensation quoi d'évoquer, de ressentir, de laisser paraître une émotion, une joie, quelque chose de beau sur une fleur, sur une odeur, sur un parfum, sur vous voyez ce côté la dernière fois à qui j'ai fait ça, qui faisait la gueule, j'ai dit oh c'est extraordinaire, ah oui c'est ça, c'est au marché, c'est une femme qui était au marché, ouais, qui vendait des légumes, j'ai dit oh c'est super, vous êtes là maintenant, on n'a plus besoin d'aller vous voir là-bas. Elle m'a regardé, elle m'a dit oui je suis là. Je vais lui dire, ben, je ne reviendrai pas. Voilà. Parce que c'est l'effet que ça m'a fait. Donc, si vous voulez, toute cette émotion qui nous remplit de joie, qui est de la spontanéité, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit ? Enfin, ce n'est pas une question d'avoir le droit, pas le droit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser ? Et de là, eh ben, je vous assure, oh, c'est une grande révélation que je vais vous faire. Eh ben, ça rend tout le monde jaloux. C'est la jalousie du surdoué. J'ai appelé ça la jalousie du surdoué. On ne peut pas faire autrement. C'est affreux comme mot. Le surdoué n'est absolument pas jaloux. Il peut être envieux de quelqu'un qui a réussi à être surdoué bien dans sa peau. Ça, c'est vrai. Mais bon, c'est très rare. Un surdoué qui a réussi, qui est bien dans sa peau, le surdoué est tellement tout le temps en recherche qu'il ne sera jamais dans la satisfaction parce que, contrairement à ce que disent certaines personnes, le surdoué ne peut pas être dans la suffisance parce que c'est ça, c'est créatif, il a besoin d'autre chose. Mais voilà, un surdoué, ça rigole. Un surdoué, ah, c'est super, c'est rigolo. Et puis ça pleure, mais en cachette, donc comme ça, vous ne le verrez pas. Donc, ce qui fait que ben, la jalousie, elle est là en permanence. Alors, c'est quoi les personnes qui sont jalouses du surdoué ? C'est la non-possibilité de rentrer dans le monde du surdoué. On ne peut pas, une personne entre guillemets lambda, normale, ne peut pas entrer dans le monde des surdoués. C'est un monde très particulier, qui est un monde, je ne sais pas si on dit monde, oui, qui a du sens, où on va à l'essentiel, où on adore aussi le silence parce qu'on sait y mettre des mots, où on aime l'émotion. Les personnes qui sont venues en formation m'ont dit « Raymond, vous avez réussi à mettre des mots sur des choses. » Je pense que c'est la chose la plus difficile pour le surdoué, c'est de mettre des mots sur ses émotions. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis contente de transmettre. Et en fait, malgré tout, on ne peut pas expliquer à un non-surdoué pourquoi et ce que l'on ressent quand on voit un papillon. Quand je dis papillon, ça peut être n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, non. Libellule, c'est pas de saison. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette saison ? Je sais, bon, voilà, quand on voit quelque chose de joli, on ne peut pas s'empêcher de s'extasier, de ressentir, comme le tableau de Gervais qui est derrière moi, qu'on adore tous, parce qu'il est habité de symboles, parce qu'il a la main de cette jeune femme qui peint, qui dépose ses histoires sur, voilà, c'est magnifique. Venez voir à la ferme Saint-Siméon, de toute façon on va organiser quelque chose à Honfleur. Et ensuite, bien sûr qu'on s'émerveille, et bien sûr que, voilà, et quand j'ai dit regardez ce tableau comme il est beau, et les personnes qui n'ont pas su lire ce message, ou qui n'ont pas su comprendre ce qui se cachait derrière les barreaux, m'ont regardé comme ça en disant la pauvre avec son tableau est complètement... Mais j'adore, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici, hein, c'est sympa, hein. Il y en a plein qui l'adorent. Hein. Je les embrasse, tous ceux qui aiment ce tableau. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà de quoi on va être jaloux. Voilà de quoi on va nous jalouser.
on va nous jalouser d'être contents d'avoir mis le pull blanc et les petites boucles d'oreilles et d'être super contente parce qu'on fait l'andouille et qu'on sait qu'on va partager et parce qu'on est dans cet esprit de partage, de plaisanterie, d'humour, d'amour. Voilà, donc le sourdoué est jalousé parce que celui qui n'est pas sourdoué ne peut pas entrer dans le monde dans notre monde. Voilà, c'est un monde très particulier. Quelqu'un va me dire, ça veut dire quoi particulier monde, expliquez-vous. Alors attendez, je m'explique avant que vous le faisiez, avant que vous le fassiez, avant que vous le faites, avant. Et voilà, un monde particulier, c'est-à-dire un monde qui est fait d'émotions, un monde qui est fait de petits détails auxquels on donne beaucoup d'importance, mais qui peut-être pour vous les normaux pensants n'est pas important. C'est le petit détail qu'on va remarquer partout où l'on va. Voilà, il y a un petit truc là. Ce qui fait de nous aussi des êtres, des personnes très, on appelle ça, maniaque, bon, je ne sais pas si c'est le mot maniaque, mais voilà, en tout cas, cette sensibilité qui fait que nous, et que le sourdoué, il voit des choses très larges, et il va tout voir en une seule fois, alors que les autres, il faut qu'ils regardent à gauche, au milieu, à droite, à droite, en bas, en haut, en l'air, nous, on a déjà tout vu, donc c'est désagréable pour les autres, mais je comprends, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait être entre sourdoué, c'est plus simple. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans notre monde ? On a tout le temps envie de quelque chose, c'est insupportable pour les autres, mais à quelle heure tu vas t'arrêter ? Je sais pas, quand je serai morte par exemple, quand je pourrai plus bouger. Donc c'est ça, on a toujours envie de quelque chose, on n'est pas dans la suffisance, les autres ils sont dans la suffisance, ils s'arrêtent le week-end, nous on perd les jours, on ne sait plus si c'est samedi, dimanche. Enfin, je veux dire, grosso modo, voilà, ça m'est arrivé de me tromper de jour. Mais bon, parce qu'on est hors du temps également, on ne supporte pas être dans le temps. Alors là, c'est terrible. Heureusement, depuis quelques temps, je suis sortie du temps, parce que des gens chez moi qui marquaient le temps comme ça, ça n'existe plus, donc c'est un grand soulagement. Mais voilà, c'est ça le monde des surdoués. C'est envie de tout, besoin de rien. Et voilà, donc ça engage beaucoup, beaucoup de jalousie, surtout, et je vous demande d'aller vers ça, surtout vers des surdoués, qui ont appris à se connaître, qui s'acceptent tels qu'ils sont. Soyez vous-même. De toute façon, on sera tout le temps critiqué. Moi, on me critique tout le temps. Alors, de toute façon, c'est pas grave. Il y en a de plus en plus qui m'aiment, de moins en moins qui me détestent, en tout cas, qui se manifestent de moins en moins. Donc, finalement, le tout, c'est de rétablir l'équilibre. Hein. 50-50, voilà, c'est un bon équilibre. Mais c'est vrai que comme j'ai beaucoup rassemblé de surdoués, je ne suis pas à plus de 6000, donc c'est vrai que ça fait du monde, et on est, ben, les autres, c'est pas grave, hein, on leur en veut pas, hein, s'ils sont pas comme nous. Hein. Nous, on sait pardonner. Non, je rigole. Bon, alors je vous embrasse, je ne sais plus quoi dire, je fais beaucoup de vidéos, vous aimez ce flux de vidéos, mais vous savez quoi, vous posez-moi des questions sous YouTube, là. Donc, qu'est-ce que j'ai répondu sous YouTube, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit, vous n'apportez pas de solutions, c'est dans mon bureau les solutions, hein. Donc vous prenez rendez-vous, c'est dans mon bureau. C'est, vous n'apportez pas d'indices, non, pas trop, donc c'est pendant les week-ends. On ne peut pas tout donner, je vous donne mon cœur, c'est déjà énorme. Et qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre ? Vous n'avez pas de solution, vous dites n'importe quoi. Bon, ça c'est 2-3 qui se baladent, c'est normal, il en faut un petit peu. Et voilà, donc la jalousie du sourdoué, c'est ne pas pouvoir rentrer dans cette partie magique, je pense, qu'est le sourdoué. Et soyez vous-même, acceptez-vous, respectez-vous. Et les autres, ils viendront. Voilà. Et sinon, c'est zen.ramandazan.com. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.